Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la présence de notre Dieu, de notre papa, de notre père, notre frère, notre ami, notre compagnon. Alléluia. Oh, le Dieu fidèle, celui qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et c'est un privilège pour nous d'être là ce soir. Plusieurs ont désiré être là. Plusieurs ont voulu avoir un tel moment, mais ne l'ont pas eu. Et toi qui es là ce soir, mon frère, ma sœur, dis-toi que c'est une grâce de Dieu, alléluia. Parce que c'est une occasion que Dieu te donne pour le rencontrer, pour rencontrer son esprit, pour expérimenter la puissance de Dieu, expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit, alléluia. Expérimenter le renouvellement dans le Saint-Esprit, alléluia. Expérimenter les choses pour la gloire de Dieu, alléluia. Ce soir, je crois de tout mon cœur que Dieu va nous faire encore du bien. Amen. Je voudrais, avec la grâce de Dieu ce soir, mes bien-aimés frères et sœurs, parler de l'équipement. L'équipement. Être équipé. Hier, nous avons vu que nous avions besoin d'être saints. Nous avions vu hier que le Dieu que nous servons est un Dieu qui se distingue par la sainteté. Moïse a dit: qui est comme toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi magnifique en sainteté? Alléluia. Et nous avons vu que nous également, qui sommes des enfants de Dieu, filles de Dieu, nous devons nous distinguer également par la sainteté de vie. Alléluia. Nous avons vu cela hier. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous parler de l'équipement. Alléluia. L'équipement dont nous avons besoin pour marcher à la suite de notre Dieu. Nous avons besoin d'être équipés. Alléluia. Et ce soir, Dieu, par son esprit, va nous équiper. Alléluia. Oh, je le crois parce que mon Dieu est un Dieu fidèle. C'est un Dieu bon. Alléluia. C'est un Dieu bon. Ce n'est pas un Dieu qui, à Abidjan, on dit, ce n'est pas un Dieu qui fait oba oba. Oba oba, ça veut dire qu'il parle beaucoup. Il parle puis il ne fait rien. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui fait au bas, au bas. C'est un Dieu qui agit, alléluia. Il a les moyens de sa politique, alléluia. Ce que sa main l'exécute. Amen. On n'a pas un Dieu qui vient pour nous blaguer, pour nous flatter. On a un Dieu qui est vivant. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que l'équipement? L'équipement désigne un ensemble d'outils, ou d'autres objets qui sont couramment utilisés pour atteindre un objectif. Un ensemble d'outils, un ensemble d'objets qu'on va utiliser, dont on va se servir pour accomplir, pour atteindre un objectif. Nous voulons atteindre les hommes dans le monde entier. Et la caméra est là. La vidéo est là. Le direct est là. C'est un équipement dont on a besoin pour que les hommes soient gagnés à l'extérieur. Pour qu'en France, aux États-Unis, on puisse entendre ce qu'on dit ici. C'est un équipement qui est là. Sans cet équipement, personne n'entendra ce qu'on va dire. Nulle part. Alléluia. Dans le domaine militaire, l'équipement dans le domaine militaire fait allusion à tous les objets qui sont nécessaires pour l'armement. Tout ce qu'on utilise pour l'armement. Quand une armée va en guerre, elle a besoin de beaucoup d'équipement. Aujourd'hui, malheureusement, nous assistons à une guerre en Ukraine. Et la dernière fois, j'écoutais les informations et quelques soldats ukrainiens se plaignaient parce qu'ils disaient que leur hiérarchie, c'est-à-dire les grands chefs militaires, ne leur donnait pas l'équipement nécessaire pour combattre, pour résister. Ils se plaignaient parce qu'ils n'avaient pas
tous les équipements. Il n'avait pas ceci, il n'avait pas cela. Et il se plaignait de cela. Ça veut dire que l'équipement, pour eux, est nécessaire pour repousser l'ennemi. Pour repousser l'ennemi. Au plan spirituel, c'est la même chose. Au plan spirituel, c'est la même chose, mes sœurs. Nous avons besoin d'être équipés. Alléluia. Et nous, notre équipement est un équipement qui est spécial. Et cet équipement qui nous est donné, qui nous est communiqué par la troisième personne de la divinité qui est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui équipe. Et c'est pour cela que je dis que nous sommes dans la semaine de la Pentecôte et nous devons saisir l'opportunité pour être équipés. Alléluia. Saisir l'opportunité pour être équipés. Dis à Dieu, Pentecôte 2022, je ne veux pas sortir sans être équipé. Pentecôte 2022, Seigneur, alléluia, alléluia. Je voudrais marquer cela d'une pierre blanche. Dis dans l'église du pasteur Billy, j'ai été équipé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pentecôte 2022, mon frère. Dis-toi que je ne sortirai pas de ce programme sans être équipé. Dieu va me sanctifier, me purifier par la puissance de l'Esprit de Dieu. Dieu va m'équiper par son Esprit. Et c'est de cela que Dieu m'envoie nous parler ce soir. Frère, moi, je suis tellement content. Je suis tellement heureux quand je suis ici. Alléluia. Alléluia. Parce que je sais que ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par l'intelligence. Je sais que c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, quelle grâce, quelle gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. L'équipement. Nous allons voir trois domaines. Trois domaines ce soir. Trois domaines où Dieu, par son esprit, veut équiper l'église. L'église de Thiès, l'église Emmanuel. Trois domaines où Dieu veut nous équiper. Dieu veut t'équiper, ma sœur. Dieu veut t'équiper, mon frère. Trois domaines. On va voir le domaine spirituel. Mais l'équipement n'est pas que spirituel. On va voir le domaine intellectuel. Vous allez comprendre de quoi je parle. Les étudiants comprendront de quoi je parle. L'équipement au plan intellectuel. Oui, Dieu donne ça. Oui, Dieu donne ça, l'équipement au plan intellectuel. Alléluia. Et troisième, l'équipement au plan matériel, au plan financier, au plan physique. Trois domaines où l'Esprit de Dieu veut nous équiper. Alléluia. Au plan spirituel. Au plan spirituel. Nous allons lire dans 1 Corinthiens le chapitre 2. L'épître de Paul. La première épître de Paul aux Corinthiens. Le chapitre 12. Du verset 7 au verset 11. 1 Corinthiens, chapitre 12. Je fais la lecture. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le Saint-Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie,
un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant en chacun en particulier comme il veut. Amen. Paul nous parle des dons spirituels. Et Paul nous dit que les dons spirituels sont des dons que l'Esprit de Dieu utilise. Et nous avons besoin de ces dons spirituels, de ces cadeaux de Dieu, cet équipement de Dieu. L'Église en a besoin aujourd'hui, mes frères, des dons spirituels. Ce n'est pas des dons falsifiés. Ce n'est pas des dons qui sont inspirés par des démons, des dons inspirés par des esprits méchants dans les lieux célestes. Mais les dons qui sont donnés par mon Dieu bon, par mon Dieu merveilleux, par mon Dieu vivant. Les dons spirituels. L'Église de Jésus a besoin des dons spirituels. Le véritable don spirituel. Et Paul, on l'a ici. L'équipement. Sans cela, l'Église va comme dans le mur. Sans les dons spirituels, l'Église n'a pas d'orientation. L'Église n'a pas de direction. L'Église n'a pas de sens. L'Église ne peut être efficace sans les dons spirituels. Et je bénis Dieu. Et je bénis Dieu car il a donné les dons spirituels à l'Église. Je bénis Dieu pour cela. Mes frères, merci. Nous devons tous aspirer aux dons spirituels. Les dons spirituels, ce n'est pas pour le missionnaire Billy. Ce n'est pas pour Madame Billy. Les dons spirituels, ce n'est pas pour les diacres, les anciens de l'Église, le comité de prière. Les dons spirituels, c'est pour tous les chrétiens, tous les chrétiens, toutes les chrétiennes. Les dons spirituels, c'est pour les musiciens, c'est pour les chanteurs, les chantres. Les dons spirituels, c'est pour les femmes, c'est pour les jeunes, les jeunes filles. Les dons spirituels, c'est pour vous. Les dons spirituels. C'est l'équipement. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, ma prière, Pentecôte 2022, tu puisses équiper l'Église de Thiès. Équiper l'Église de Thiès. Alléluia. Spirituel. Gloire à Dieu. On va lire un autre passage. Romains chapitre 12. Romains 12, partie du verset 6. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 12. C'est un passage que j'aime particulièrement. À partir du verset 6. Romains chapitre 12, verset 6 à 8. Je fais la lecture. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai lu ce passage, il y a longtemps de cela, j'ai compris que le fait de donner pour Dieu, c'est un don, c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu accorde aux hommes de pouvoir donner à Dieu. Mes frères, c'est une grâce. C'est une grâce. Quand tu peux donner pour Dieu, c'est un miracle, mon frère. J'ai reçu un frère dans mon bureau il y a quelques semaines. Il est venu me dire, frère Koulibaly, nous sommes en train de construire
notre église. Nous sommes une église où il y a beaucoup de personnes haut placées, beaucoup de riches dans l'église. Beaucoup de riches, beaucoup de personnes aisées dans l'église. Et il vient me voir. Il me dit, mais quel est le secret? Comment vous faites? Comment on fait? Je dis, mes frères, tout le monde dans l'église peut être riche. Tout le monde peut avoir des milliards dans l'église. Mais le fait de donner est une grâce de Dieu. Une grâce de Dieu. Ce n'est pas les milliards qui vont construire. Puissant de Dieu agissant dans les cœurs qui fait cela. Je dis, tant que les cœurs n'auront pas été touchés, visités par l'Esprit de Dieu, personne ne donnera. Personne ne verra l'important de donner. Personne n'aura. Les yeux sont fermés sur l'œuvre de Dieu, fermés sur la cause de Dieu. Donner est un don spirituel. Donner d'une grâce de Dieu, mes frères. Alléluia. Alléluia. L'équipement. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. L'équipement. Il y a un point que je n'avais pas noté, mais je veux quand même le toucher. Vous savez, dans Éphésiens, chapitre 6, l'épître de Paul aux Éphésiens, 6, Paul parle des armes spirituelles. Paul parle des armes spirituelles. Paul parle du zèle de l'évangile. Paul parle de la vérité. Paul parle de la justice, de la foi. Paul parle de la prière. Et chacun des éléments que Paul cite, c'est un élément d'équipement du chrétien que nous sommes. Équipés. Je bénis Dieu parce que c'est une église. Ici, c'est une église. Je sens que c'est une église qui prie. Je sens ça. Que c'est une église qui prie. Une église qui prie. Alléluia. J'aimerais toucher rapidement l'équipement dont nous avons besoin au plan intellectuel. Au plan intellectuel. Et Dieu veut équiper l'Église. Dieu veut équiper ses enfants, ses filles, ses fils au plan intellectuel. On va lire des passages, vous allez voir les choses extraordinaires que Dieu fait. Dans Exode, le chapitre 31. Exode 31, verset 1, verset 6. Je fais la lecture. L'équipement. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Alléluia. Dieu parle d'un homme du nom de Betsaleel. Dieu dit, j'ai mis en lui un esprit d'intelligence pour le rendre capable d'exécuter toutes sortes de choses extraordinaires. Alléluia. Et Dieu, mes frères, notre Dieu ne ment pas. Et il n'a pas changé. Et aujourd'hui encore, il équipe l'église. Il équipe les jeunes gens, les jeunes filles. Les rendant capables
d'exécuter des choses extraordinaires. Tout à l'heure, je vais vous donner un témoignage. Vous montrer que ce que la Bible dit, ce n'est pas seulement dans la Bible. Ce que la Bible dit, c'est dans la Bible et c'est dans nos vies. Et Dieu confirme ce qu'il dit. Parce que ce n'est pas un Dieu qui parle au bas, au bas. C'est un Dieu qui a le pouvoir de démontrer ce qu'il dit. Là, il est question de Bethsaleel. Bethsaleel. Au temps de Moïse. Encore au temps où il était question de construire le tabernacle, la maison de Dieu en miniature. On va lire Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5, on va lire verset 11 au verset 17. Alléluia, j'aime ce passage-là. Daniel 5, verset 11 au verset 17. Je fais la lecture. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, alléluia, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de répondre et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alléluia. Ce texte nous parle d'un homme appelé Daniel. Daniel. Alléluia. Merci. Bien-aimé. Et ce Daniel-là, il a dit qu'il avait en lui l'esprit de Dieu. Il avait un esprit supérieur. Daniel avait un esprit supérieur dans le royaume, parmi les magiciens, les astrologues, les devins, qui n'étaient pas capables d'interpréter les songes, les énigmes. Mes frères, on n'a pas besoin d'avoir des fétiches. On n'a pas besoin d'avoir des marabouts. On n'a pas besoin d'avoir des astrologues, toutes ces choses. Dieu, le Dieu qu'on sait, il est plus grand que tout cela. Le Dieu qu'on sait a la capacité de nous équiper et de nous communiquer ces choses-là. Et il avait en lui l'esprit de Dieu. Et Dieu l'avait équipé dans ce royaume-là où il était. Parmi des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Et lui, il était là comme une lumière. Il était là comme le bras de Dieu, comme la main de Dieu, au milieu d'un peuple de génération perverse. Dieu veut que tu sois comme ça aujourd'hui. Dieu veut que tu sois comme ça, mon frère, ma soeur, au sein d'une génération perverse, que tu puisses briller et que tu puisses avoir toi, l'esprit de Dieu. Être équipé au plan intellectuel. Alléluia. Troisième exemple. Toujours dans Daniel, cette fois-ci le chapitre 6. Daniel 6, verset 3. Il a dit ceci. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alléluia. Dieu nous équipe d'intelligence. Dieu nous équipe de sagesse. Dieu nous équipe de science, de connaissance. Alléluia. Dieu a équipé Joseph ainsi. Et Dieu a équipé Daniel ainsi. Alléluia. Gloire à Dieu. On va lire l'exemple de Joseph pour terminer. Genèse 41,
Vous allez voir ce que Dieu a fait également dans la vie de cet homme. Nos ancêtres, par procuration. Genèse 41, verset 37. Alléluia. Il a dit ceci. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Alléluia. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Alléluia. Un esprit supérieur. Et cet équipement-là, c'est l'Esprit de Dieu qui le donne. C'est le Saint-Esprit qui le donne. C'est la raison pour laquelle, si l'Esprit de Dieu est honoré dans l'Église, s'il est recherché dans l'Église, si on prie pour cela, si on le recherche, si on le désire, si on aspire à cela, Dieu le fait. Il y a un dernier passage que je vais lire avant de vous donner un témoignage. Psaume. Psaume 119. On va lire un témoignage de David. Psaume 119, à partir du verset 97. Psaume 119, verset 97. Écoutez très bien ce que dit David. David dit ceci, « Combien j'aime ta loi, c'est-à-dire ta parole. » Il dit, « Combien j'aime ta parole, combien j'aime ça, combien j'aime ta parole, combien j'aime ta parole. » Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Que tous les jours, je médite ça. J'aime ça. Seigneur, j'aime ça. Alléluia. Je prie Dieu, je dis, Seigneur, fasse en sorte que mes enfants aiment ça. Alléluia. Fasse qu'ils trouvent un plaisir en cela. La Bible dit qu'on doit trouver un plaisir en cela. Seigneur, fasse que le plaisir ne quitte jamais mon cœur. Fasse que le plaisir ne quitte pas mon cœur, Seigneur. Fasse que j'aime ta loi tous les jours. David dit, oh, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Écoutez bien ce qu'il dit maintenant. Il dit, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Ça nous rend plus sage. Ça nous rend plus sage que tous nos ennemis. La sagesse est ici. Alléluia. Et David continue, il dit, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Alléluia. Mes patrons, je suis plus instruit que eux. Alléluia. À cause de la parole de Dieu. À cause de ça, je suis plus instruit que mes maîtres. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce n'est pas une affaire de diplôme, mes frères. Ce n'est pas une affaire de PhD, mes frères. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une affaire de doctorat. Doctorat, c'est bon. Doctorat, c'est très bon. Mais ce n'est pas une affaire de doctorat, mes frères. C'est une affaire de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Actes, les premiers chrétiens, on a rendu témoignage d'eux. On dit, mais c'est des hommes sans instruction. Ils ne sont pas à l'école. Ils n'ont pas de diplôme. Mais il y a une grande sagesse en eux. La puissance de Dieu est en eux. Alléluia. Ils ne sont pas à l'école. Ils n'ont pas de doctorat. Ils n'ont pas de PhD. Non. Mais l'Esprit de Dieu est là et ils sont sages. Ils sont sages. Je me souviens, à l'époque, quand j'ai rencontré le Seigneur, les jeunes filles qui nous ont parlé de Jésus, c'était des jeunes filles qui nous ont parlé de Jésus. Parmi elles, il y en a qui ne partaient même pas à l'école. Il y en a qui ne partaient pas à l'école. Moi, j'étais en classe de seconde. À l'époque, quand tu es en seconde, c'est toi le grand patron.
Les grands patrons, au lycée. J'étais en seconde. Mais c'était des sœurs qui n'étaient même pas à l'école. Mais quand je les regardais, je voyais en elles l'esprit de Dieu. Alléluia. Je voyais en elles quelque chose d'extraordinaire dans ces sœurs-là. Et je les respectais. Alléluia. Je les respectais, ces sœurs-là. Je les respectais. Parce que je voyais en elles de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu. Je voyais qu'elles avaient quelque chose que je n'avais pas. Moi, j'étais en seconde. Mais je n'ai pas ce qu'elles ont là. Et parmi les frères, les jeunes frères, celui qui était le plus gradé parmi eux, il était en classe de cinquième. Cinquième ou quatrième. Nous, on était en seconde. On était en seconde. Mais ce n'est pas une affaire de seconde, mes frères. Ce n'est pas une affaire de j'ai eu mon PPC ou mon bac. Ce n'est pas ça. C'est une affaire de est-ce que l'Esprit de Dieu est là? Est-ce que le Saint-Esprit est là? Alléluia. Et David continue. Verset 100. Il dit, j'ai plus d'intelligence que les vieillards. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. Alléluia. Alléluia. En Afrique, on dit que ce sont les vieillards qui sont intelligents, qui sont sages. Mais David dit, oui, mais moi, David, je suis plus intelligent que les vieillards à cause de l'Esprit de Dieu qui est en moi. L'Esprit du Seigneur sur moi. Alléluia. Ma soeur, tu peux être plus intelligent que les vieillards chez toi. Au point où c'est toi qu'on va consulter, qu'il y a une décision à prendre. On dit, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'il dit lui? C'est ce qu'il dit qu'on va suivre. Alléluia. Qu'est-ce que lui dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle veut? C'est ça qu'on va suivre. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Parce qu'elle est équipée. Parce qu'il est équipé d'un esprit supérieur de sagesse, d'intelligence, de science, de connaissance. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. En 2015, écoutez-moi très bien. En 2015, nous sommes allés pour faire un séminaire, un grand séminaire qu'on allait faire dans une ville en Côte d'Ivoire qu'on appelle Yamoussoukro. C'est la capitale politique de la Côte d'Ivoire. On allait faire un séminaire là-bas. Et ce séminaire-là, je devais intervenir. En 2015, je devais intervenir et je devais faire deux exposés. Je dois faire deux, moi seul, je dois faire deux exposés. Devant tous les directeurs du pays, c'est plus d'une centaine de personnes. Et je devais faire un exposé, deux exposés. À l'époque, celui qui était mon patron, quand on est arrivé là-bas, la nuit, il m'a appelé. Non, avant ça, il y a un autre de mes patrons qui m'a appelé, qui m'a dit, bon, ce que tu vas exposer là, est-ce que tu peux m'envoyer ça pour que je lise pour voir? Il n'y a pas de problème. Je lui ai envoyé. Quand il a lu, il m'a appelé. Il dit, mais ton affaire est trop compliquée. C'est trop compliqué, on ne comprendra rien de ce que tu vas dire là. C'est trop compliqué. J'ai dit non. Laisse tomber. Je vais simplifier cela pour que tout le monde comprenne. Et la nuit, le grand patron m'appelle. Il dit, je veux te voir. Je vais le voir dans sa chambre. Il dit, bon, demain tu vas parler devant des centaines de personnes. Je dis, oui. Ce monsieur m'aimait tellement. Il m'aimait tellement qu'il avait, peur pour moi. Il dit, mais ça là, le petit là, qu'est-ce qu'on va lui faire demain là? Les gens lui posent des questions difficiles. Il m'a dit, bon, voilà ce qu'on va faire. Comme je ne veux pas que tu aies des problèmes, je vais désigner des personnes qui vont te poser des questions qui sont déjà préparées. Il dit, non. Ah! Parce que tellement le monsieur tenait à moi, il ne voulait pas que
Il ne voulait pas que ça se passe mal. Il ne voulait pas que je sois perturbé, confus là-bas. Il dit, il va prendre des gens qui vont te poser des questions. Ils vont poser ça, tu dis ça. On dit ça, tu dis ça. On dit ça, tu dis ça. Là, on dit, bon, tout est bien passé. Lui, il criait pour moi. J'ai compris. Je suis allé dormir. Avant de dormir, le Seigneur m'a dit, lis ta Bible. Alléluia. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. J'ai lu ma Bible. Mes frères, je vous conseille de lire votre Bible. Alléluia. Je vous conseille de lire votre Bible. Voilà mon épouse qui est là. Même si je suis fatigué. Fatigué. Même s'il faut que je lise dans la Bible, un seul mot. Même s'il faut que je lise une seule phrase, je vais la lire avant de dormir. Alléluia. Un seul mot. Je vais lire le seul mot. Mon âme languit après mon salut. Amen. Puis je dors. Ce seul mot-là. Dieu va travailler ça. J'ai lu ma Bible. J'ai lu un passage. Je mettais un passage. Je n'ai rien compris. J'ai dit bon. J'ai dit amen, je suis allé me coucher. Le lendemain, on allait au séminaire. L'heure est arrivée. Mon premier exposé. Quand j'ai fini d'exposer, nous sommes allés à la pause. À la pause. Tout le monde venait me dire félicitations. Félicitations. Mais c'est extraordinaire. Tout le monde. Mais c'est extraordinaire. Tous ceux qui devaient poser des questions fabriquées, il n'y a pas un seul qui a posé des questions fabriquées. On m'a posé des questions, j'ai répondu à toutes les questions. Et tout le monde venait me dire félicitations, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et un de mes collègues qui est venu moi et qui me dit, toi là, on ne sait pas comment tu es. Qu'est-ce que toi tu as en toi? Partout où on te met, tu es efficace. Quand on te met ici, tu es efficace. Quand on te met ici, tu es efficace. Quand on te met ici, tu trouves tout ce qu'il y a à faire. Comment tu fais ça? Un autre vient me dire, mon ami, si tu continues comme ça là, tu vas devenir toi-même un DG un jour. Et si tu continues comme ça là, tu vas devenir toi-même un jour. Et il y a un troisième qui me dit, et ça m'a tellement marqué, il m'a dit, mon frère, mon ami, souviens-toi de moi quand tu seras DG, souviens-toi de moi. Mon collègue directeur qui me dit ça, il me dit, souviens-toi de moi quand tu seras DG un jour. Mon collègue, ce n'est pas une agence, ce n'est pas un subalterne, c'est mon promotionnaire, c'est mon collègue. Il me dit, souviens-toi de moi, parce que je vois en toi ce qui va se passer. Mais souviens-toi de moi quand tu seras DG. Ça me rappelle ce que cet homme, ce prisonnier avait dit à... Ce que Joseph avait dit à cet homme, il dit, mon frère, quand tu vas sortir, souviens-toi de moi. Alléluia. On est allé faire le deuxième expérience. Quand on a fini le deuxième exposé, on allait maintenant pour manger au déjeuner. Ah, félicitations. C'était des félicitations partout. Félicitations. C'est comme si c'était moi seul qui était le sujet d'étonnement partout. Félicitations. Et il y a un qui vient me dire, un de mes collègues qui me dit, il dit, mais quand je parlais là, c'est lui qui me dit ça. Hein. Il dit, mais quand tu parlais là, je me disais, mais c'est le Koulibaly qu'on connaît là ou bien c'est un autre Koulibaly? C'est qui dit là, mais où il a appris tout ça là? Il dit, il se demandait si c'était moi qui parlais ou bien c'était quelqu'un d'autre qui parlait. Il dit, non, c'était moi. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est le même Koulibaly que tu connais là. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, mais et il y a un des doyens qui était là à l'époque, mais qui est décédé aujourd'hui. Il est décédé maintenant, malheureusement.
il vient à ma table. Il me dit, mais toi-même, où tu as appris tout ça là? Qui t'a appris ça? Qui t'a appris tout ce que tu nous as dit aujourd'hui là? Tellement j'étais étonné, frappé d'étonnement. C'est là que le Seigneur m'a rappelé le passage que j'avais lu la veille. Et vous savez c'était quoi que j'avais lu la veille? J'avais lu le passage où les hommes, où il est écrit que le peuple qui voyait Jésus était tellement étonné de tout ce que Jésus faisait qu'ils ont dit, mais c'est pas le fils du charpentier là? C'est pas Marie qui est sa sœur? D'où lui vient toute cette sagesse là? C'est le texte que j'avais lu la veille. Et Dieu m'avait dit, Dieu était en train de me dire, c'est la même chose que j'ai fait pour toi. Les gens vont être étonnés comme ça pour toi également. Au point, ils vont dire, mais c'est pas le Kouveli qu'on connaît là? Mais d'où lui vient tout ce qu'il en t'a dit là? Mes frères, je crois que Dieu nous équipe au plan intellectuel là. Je crois que Dieu nous équipe de sagesse, d'intelligence. Alléluia. Je crois que par son esprit, Dieu nous rend supérieurs. Alléluia. Je crois ça. Je crois ça. Et j'aimerais encourager nos frères qui sont là, qui sont élèves étudiants. Les encourager. Dieu nous distingue, nous qui sommes là. Élèves étudiants, Dieu nous distingue. Dieu nous équipe par son esprit. Alléluia. Dieu nous équipe. Moi, je travaille aujourd'hui au ministère des Finances. Notre pays. Mais à l'université, je n'ai pas fait d'études d'économie. Non. Je n'ai pas fait d'études d'économie à l'université. Non. À l'université, j'étais à la faculté des lettres. Faculté des lettres. Je fais les langues. Et quand j'ai eu ma maîtrise, écoutez-moi très bien. Quand j'ai eu ma maîtrise, j'ai présenté le concours d'entrée à l'administration, le concours d'entrée à l'École nationale d'administration. J'ai eu ma maîtrise. Et quand je devais aller m'inscrire pour passer le concours, parce que c'est un concours, le jour où j'ai eu ma maîtrise, le lendemain de ce jour-là, on devait clôturer les candidatures. On devait clôturer les candidatures. Et moi, j'ai eu ma maîtrise la veille. Donc, j'avais un jour pour déposer mon dossier. J'ai eu ma maîtrise la veille, mais j'avais pas encore mon attestation de maîtrise. J'avais pas encore ça. Je suis allé sur mon professeur le matin, très tôt le matin, le lendemain matin. Il a tapé à sa porte. Il s'est réveillé, puis il a venu signer mon papier. Il a signé mon papier, il m'a donné. Je suis allé m'inscrire pour faire le concours. Dieu m'a fait grâce. J'ai été reçu au concours. Écoutez-moi très bien. Je vais vous montrer que Dieu nous équipe. Je suis entré à l'école d'administration. À l'époque, quand vous entrez à l'école d'administration, il n'y a pas de spécialité. Vous êtes tous dans un tronc commun. Vous faites tous la même chose. Il n'y a pas à dire, toi, tu vas ici, toi. Non, non, non. Tout le monde, dans une même classe, on fait un tronc commun. Et c'est votre résultat de fin d'année qui va déterminer où vous allez partir. Donc les meilleurs de la classe vont choisir les bonnes places, dans les bons endroits, eux vont là-bas. Et les derniers vont dans ce qui reste. C'est ce qui reste que toi, tu prends. Écoutez-moi très bien. Dans la classe où j'étais, nous qui avons la maîtrise, on était les plus petits. Avec la maîtrise, était le plus petit diplôme. Tous les autres avaient des DEA, avaient des doctorats. Il y en avait même qui enseignaient à l'université déjà. Ils enseignaient à l'université. Et puis, ils sont venus passer le concours pour venir entrer à l'administration, dans la classe. Donc, nous autres là, on était les petits. La maîtrise était le plus petit. C'est comme, on est au CP1. Nous, on est au CP1, parmi les gens qui sont
qui ont le bac, non, au CP1. Écoutez-moi très bien. Et comme tout le monde veut être premier, pourquoi? Parce qu'on est premier, on va aller dans les bons endroits, on va choisir dans les bons endroits pour aller. Donc c'était la compétition. Ceux qui avaient les connaissances, ils cachaient les connaissances, même pas que les autres sachent ça. Ils cachent les choses. Ils cachent les connaissances. Vous savez ce que j'ai fait? Moi, je quittais. J'étais encore en cité universitaire, au campus. Je prenais le bus au campus à 4h du matin. Je me levais à 4h du matin. Je viens à l'arrêt de bus quand il fait encore nuit. Je prends le bus là. Je fais un parcours, je prends le bus avant d'arriver à l'école. Quand j'arrive à l'école, il fait encore nuit. Il n'y a personne à l'école. Le gardien, il vient, il l'ouvre. Je m'assois dans un coin, je travaille. Je travaille jusqu'à ce qu'il soit 7h30. Les gens arrivent maintenant. On fait le cours ensemble. Quand on finit le cours, le soir, à 17h30, quand on arrive le cours, je ne vais pas à la maison. Je reste encore là, sur place. Je travaille jusqu'à 21h. À 21h, tout le monde est déjà parti. Les bus roulent maintenant vite. Je prends mon bus maintenant, je rentre en cité. Et quand j'arrive en cité, au campus, il est 22h, 23h, je me lave, je mange, je dors. Puisque j'ai déjà travaillé à l'école, je mange, je dors. Et comme je ne connaissais pas certaines matières que je n'avais jamais faites, je voyais les gens, mon frère, est-ce que tu peux m'aider dans telle matière? Je le prends, et puis je m'en enferme avec lui dans une salle. Puis il me montre. Ma soeur, est-ce que tu peux m'aider dans ça? Oui, je le prends, il me montre. Mon frère, montre-moi. Il m'a montré comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Quand on a fini l'année, savez ce qui s'est passé? Dieu a fait un miracle. Moi qui les gens montraient là, hein, j'étais devant eux. Je vous parle de quelque chose, mes frères. Et j'ai occupé un rang qui a fait que j'étais parmi ceux qui ont pu choisir où ils vont. Et quand moi j'ai choisi où je voulais partir, il n'y avait plus de place. Alléluia! Le premier vient, le premier, ça, le premier, oui, il faut choisir, il dit, je vais ici. Deuxième, troisième, et j'étais sixième. Quand je venais prendre, quand il n'y a plus pour moi, c'était fini, il n'y avait plus de place. Allez, les bonnes places, c'était fini. Quand il n'y a plus pour moi, c'était fini. Il y a un frère, écoutez-moi bien, il y a un frère qui vient me voir. Il dit, mais toi, dans toute l'école là, c'est toi qui m'étonnes. Comment tu as fait? Il dit, mais nous on t'a montré. C'est nous on t'a montré. Mais comment tu es devant nous? Alléluia. Nous on t'a montré. Ça t'est passé. Alléluia. Notre Dieu là, c'est un Dieu qui nous distingue. La jeune fille distinguée. Dieu nous distingue. Les jeunes gens distingués à l'école, Dieu nous distingue. Au travail, Dieu nous distingue. Un jour, il y a un de mes collègues qui est entré dans mon bureau. Et puis il a vu un écran que j'avais mis là, un écran dans mon bureau. Et sur l'écran là, on a conçu un logiciel qui fait que toutes les données dans le service, certaines données essentielles, je les ai automatiquement sur mon écran au bureau. Je peux voir ce qui se passe en temps réel. Quand il est venu, il m'a dit, mais toi là, il dit, mais ça, si c'était quelqu'un d'autre qui avait fait ça là, tout le monde l'entend ça dans Côte d'Ivoire. Mais toi, tu as ça ici, puis tu parles pas de ça, tu dis rien. C'est-à-dire que tu ne te montres pas quoi. Tu ne veux pas malin avec ça.
Si c'est quelqu'un d'autre là, tout le monde l'entend en Côte d'Ivoire, voilà, tout le monde l'entend ça. Et non, je n'ai pas besoin de ça. Pas besoin que tout le monde sache que j'ai fait ça. Que tout le monde voit que, ah mais il est fort, il a fait ça, mais c'est extraordinaire. Gloire à Dieu. J'aime Dieu, j'aime le Saint-Esprit parce qu'il nous équipe ainsi. Je vais terminer rapidement par un dernier point que je dois toucher avant que nous prions. Alléluia. Je vais parler maintenant de l'équipement au plan matériel. Juste quelques versets. Vous savez, le Saint-Esprit nous équipe au plan spirituel, par les dons spirituels, au plan intellectuel, et nous rend sages, intelligents, dans la connaissance. Les chrétiens ne sont pas les derniers de la société, non. Les chrétiens ne sont pas les laissés pour compte, non. Un esprit supérieur en eux, alléluia. Et il nous équipe également au plan matériel. Et un homme de Dieu dans la Bible, dans Matthieu 27, verset 57, qu'on va lire. Cet homme m'a marqué. Matthieu, le chapitre 27, on va lire. On va dire verset 57. Il a dit ceci. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qui s'était fait tailler dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Alléluia. Voici un homme qui était un disciple de Jésus. Un bien-aimé de Jésus. Et qui était un homme riche. Excusez-moi une minute. Cet homme riche, il allait demander le corps de Jésus. Quand Jésus a été cloué à la croix, il a été mis à mort. Il prend le corps de Jésus, il l'a enveloppé dans un linceul blanc, et puis il allait le mettre dans un sépulcre neuf. Elle est une tombe neuve. Personne n'est jamais entré là-bas. Aucun mort n'est jamais entré là-bas. C'est ça qu'il allait faire. Et c'est lui-même qui avait fait fabriquer ce sépulcre-là. Il avait fait tailler cela. Et il a mis Jésus là-bas. Il fallait qu'il soit un homme riche. Un, certainement pour qu'il soit écouté et qu'on lui donne le corps de Jésus. Il fallait qu'il soit un homme riche pour qu'il ait la capacité de se tailler un sépulcre neuf dans lequel mettre le corps de Jésus. Et je crois que Dieu prépare de tels hommes, de telles femmes dans ce monde aujourd'hui. Alléluia! Je crois que Dieu équipe des hommes et des femmes au plan matériel, au plan financier. Alléluia! Par lequel Dieu fait avancer son œuvre, par lequel Dieu accomplit ses desseins dans le monde. Alléluia! Dieu voulait que Jésus soit dans un sépulcre neuf. Un sépulcre neuf. Là où personne n'est jamais entré. Jésus est venu au monde dans le sein d'une femme qui était vierge. Elle n'avait jamais enfanté encore. C'est la première fois. Donc, là où il est venu, c'était comme un endroit neuf. Neuf. Là où il est mort, enterré, c'était un endroit neuf également. Alléluia. Et Dieu avait préparé cet homme, Joseph d'Arimathée, spécialement,
avant la fondation du monde. Alléluia! Pour que ce soit lui qui fasse cela. Et Dieu veut faire ainsi des Joseph d'Arimathée parmi nous aussi. Des hommes que Dieu prépare pour faire des choses extraordinaires. Des choses spéciales. À Dieu soit la gloire. Et tout ça, mes frères, c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si dans d'autres églises, à chaque Pentecôte, il y a des programmes comme ça. Mais je bénis Dieu pour vous, de ce que vous avez si soif. Si soif. Si soif de Dieu. Si soif du Saint-Esprit. Et de tout ce qu'il peut faire, il est capable de faire. L'équipement. À lui soit toute la gloire. On va baisser les têtes, on va prier le Seigneur. Tout ce que nous avons entendu ce soir, le Saint-Esprit désire nous équiper au plan spirituel, à travers les dons spirituels. Le Saint-Esprit désire nous équiper au plan intellectuel en nous communiquant la sagesse, l'intelligence, la science, la connaissance. Le Saint-Esprit désire nous équiper au plan matériel et financier. Mon frère, si tu veux, si tu te disposes à servir Dieu, il t'équipera. Il t'équipera. Si tu désires le faire, il t'équipera. Alléluia. Prions ensemble un moment le Seigneur et demandons-lui de nous équiper. Demandons-lui de nous équiper. Alléluia. 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 Saint-Esprit, merci. Merci ce soir. Tu es celui qui équipe. Alléluia. Merci pour les dons spirituels. Oh, Seigneur, cette Pentecôte 2022. Alléluia. Nous l'avons marqué d'une pierre blanche, Seigneur. Je veux la marquer, Seigneur, d'une pierre blanche. Alléluia. Oh, je vais dire, je pourrais dire en 2022, Dieu m'a fait du bien. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a parlé. Alléluia. Il m'a visité. Alléluia. L'Esprit de Dieu m'a visité. Alléluia. Il m'a rempli de sagesse, d'intelligence, de connaissance. Il m'a communiqué le don spirituel. Il m'a restauré. Il m'a renouvelé. Alléluia. Il m'a inondé de sa puissance. Alléluia. Oh Maya Naspora Bashe Kanabaso. Raya Naspora Yanashi. Je reconnais que tu peux tout. Alléluia. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, Seigneur, fais-moi.
tu équipes, Seigneur, intellectuellement, notre Dieu. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia, nous te bénissons, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. À Dieu soit la gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bénissons Saint-Esprit. Nous sommes là pour être équipés ce soir. Équipe-nous, Saint-Esprit. Équipe ta maison, équipe ton peuple. Équipe ton peuple, Seigneur. Remplis, remplis les jeunes, remplis les femmes, remplis les hommes, remplis les enfants, remplis les responsables, remplis les diacres, les anciens. Remplis, 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 Seigneur. Équipe, Seigneur. Équipe, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ah là là là, Shara Wandaba. La Raskoriandaba Wondoskorabashi. La Raskoraba Kindeshawandaba. Rais kora yante ko Rayanta ba uno skora ba yi Alleluia was kaya madagi. Conduis-moi dans les lieux célestes. Conduis-moi dans les lieux célestes. Conduis-moi dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, conduis-moi dans les lieux célestes.
autre dimension de toi. Dans les lieux, je rentre dans le saint des saints. Je rentre dans le saint des saints. Je désire voir en ta présence. Je désire voir en ta présence. Une autre dimension. Une autre dimension de toi. Seigneur, nous te bénissons, Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, aller dans cette nouvelle dimension. Nous voulons aller de progrès en progrès avec le Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, il y a tellement encore à faire. Il y a tellement encore à faire, Seigneur. Alléluia. Et il y a tellement de possibilités encore. Alléluia. Oh non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Non, ses compassions ne sont pas le terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. À Dieu la gloire. À Dieu la gloire. Seigneur, tu tiens en réserve encore de grandes choses pour nous. Tu tiens en réserve de grandes choses encore. Merci Seigneur pour cette soirée. Que toute la gloire te vienne, Père. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. 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 Thank you.